Alors non, j'ai pas envie de faire Octopath Traveler. Je viens de finir le New Game Plus de Dragon Quest 11 et ça prend du temps à faire ces conneries. C'est bon, les JRPG, j'ai eu ma dose pour un petit moment. En plus, il paraît que t'es pas terrible. Non! J'ai dit non. Tu me lâcheras pas, c'est ça? Bon, bah je suppose que j'ai pas le choix, hein. Bon allez, sur un malentendu, ça peut être intéressant. Octopath Traveler est un jeu édité par Square Enix et sorti sur Switch dans le monde entier le 13 juillet 2018. Oui, bon, je sais, ça fait presque un an. Mais que voulez-vous, j'ai mis un petit moment avant de l'acheter, et surtout à le finir. A noter que le jeu a récemment quitté son statut d'exclusivité Nintendo en sortant sur PC le 7 juin dernier. Ce qui est assez bizarre, surtout chez Nintendo. D'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens que les portages se font. Il s'agit d'un JRPG tour par tour dans la veine de ce que j'appelle les néo-classiques. Un néo-classique pour moi, c'est en fait un JRPG comme ce que sont toujours les Dragon Quest ou les Final Fantasy avant que leur gameplay passe de tour par tour à de l'action RPG, c'est-à-dire grosso modo avant le 8, mais avec un gameplay un peu modernisé. Généralement, les vieux JRPG étaient sous la forme d'une histoire longue, avec des personnages hauts en couleur dans un univers techno-fantasy, le tout avec des combats au tour par tour, un système de niveau, un système d'inventaire et les autres grands poncifs du genre. En gros, chez nous, pensez Chrono Trigger, FF6 ou Dragon Quest 8, ce sont les gros représentants du genre. Et donc, un néo-classique, pour moi, c'est globalement la même chose, mais en moins austère, et avec quelques trucs en plus ou en moins. Notre façon d'apprécier le jeu vidéo a bien changé en 20-30 ans, du coup, ce genre de jeu a besoin de mise à jour. Ça passe par des choses comme un système de classe pour les personnages, un système de craft, ou un tour par tour un peu modifié. En bref, un néo-classique, c'est l'art d'allier beaucoup de vieilles recettes avec du neuf pour donner un sentiment de vieux RPG, mais plus agréable à jouer pour un joueur pas forcément accro au côté, entre guillemets, âpre et ardu du rétro. Oui, je sais, c'est super flou. Bravo. Excellent la blague. Mais si vous voulez de bons exemples de ce genre de jeu, il y a bien sûr les deux derniers Dragon Quest, mais aussi les très sympathiques Bravely Default et Second, sortis sur 3DS, et d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard. Enfin bref, Octopath Traveler est donc un JRPG sorti en juillet 2018 et développé conjointement par Square Enix, responsable d'une palanquée de JRPG comme les Dragon Quest ou les Final Fantasy, et surtout Acquire, le studio de développement derrière les séries des Tenchu, Way of the Samurai et les Shinobido. Acquire s'est aussi chargé d'un paquet de jeux de commandes un peu random à destination du marché japonais, mais globalement, ce studio n'avait pas grand chose comme expérience dans le genre du RPG tour par tour avant Octopath. Le directeur du projet était Keisuke Miyoshi, qui était auparavant game designer sur Tenchu 4 et directeur des effets visuels sur Chocobo Raishingu, un jeu de cartes avec des chocobos. Ouais, bon, je vais peut-être pas vous faire la liste du staff en entier, déjà parce que je ne comprends pas le japonais écrit, donc pour trouver plus d'infos, c'est chiant, mais aussi parce que vous l'aurez peut-être compris, l'équipe de dev est composée en grande partie de gens un peu random. Alors, ce sont certainement des gens très bien, très compétents, je dis pas. Ce sont juste pas des gens qui ont laissé leur marque dans l'industrie ces dernières années. On notera quand même les noms de Yasunori Nishiki à la bande originale, ma foi fort sympathique, vraiment très bonne, et surtout Kakunoshin Futsuzawa à l'écriture. Alors, eux non plus ne sont pas des grands noms, ils sont même connus que pour Octopath. Mais retenez bien qui est à l'écriture. En fait, le projet Octopath Traveler est surtout né de l'impulsion de deux personnes dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de Tomoya Asano et de Masashi Takahashi, tous deux au poste de producteur. Un producteur dans le monde du jeu vidéo, c'est un peu le type qui chapeaute le directeur du jeu et qui l'empêche de partir en couille. Il gère le budget, les délais, la production, une partie de la com, même si ça dépend beaucoup des entreprises. Le producteur peut très peu intervenir, comme passer sa journée à tout changer dans le projet en permanence, rendant la production très complexe. En clair, c'est un peu un homme à tout faire, le chef du chef et la tête qui surnage au-dessus de la masse de personnes qui font de la technique. Il a un gros pouvoir décisionnel et de grosses responsabilités, même si c'est pas forcément lui qui sort la thune, ni lui qui crée de la valeur. Mais vous inquiétez pas, on est dans un monde normal. Si le jeu plombe, ça sera pas lui qui prendra le plus cher proportionnellement. Il aura juste moins de stock options pour la Porsche 911 des 18 ans du fiston. Enfin bref, Asano avait déjà travaillé sur un gros paquet de spin-off des Final Fantasy, FF3 et 4 sur DS, Final Fantasy Tactics, The War of the Lions, ou encore Final Fantasy Fables, Chocobo's Dungeon.
Takahashi, par contre, j'ai pas trouvé grand chose sur lui. Sauf, et c'est là que ça devient intéressant, Takahashi et Asano ont travaillé ensemble comme producteurs sur les Bravely Default et Second, et les concepts de ces derniers ressemblent très fortement à Octopath Traveler. En fait, le jeu est presque pensé comme un troisième Bravely, juste ça se passe pas dans le même univers. On peut donc supposer que le jeu est surtout issu d'une volonté de producteur, plus que d'un studio de développement. C'est ce qui va, selon moi, expliquer une partie de certains écueils dont je reparlerai plus tard. Le studio Acquire a été choisi pour ses précédents travaux sur la série What Did I Do To Deserve This, My Lord, une série de jeux entre God Game et RPG, mix entre Terraria et Lemmings, sorti sur PSP. Mais en vrai, ça n'a pas grand chose à voir avec un RPG classique, à part peut-être le côté pixel art. Alors, ça peut aussi sortir d'une volonté d'Acquire de vouloir faire autre chose que des jeux de commande ou de ninja samouraï, et ça serait tout à leur honneur, mais personnellement, au vu des producteurs et de leurs antécédents, ben j'ai surtout l'impression qu'ils ont exécuté une commande de producteur. Peut-être pour rebondir par la suite, qui sait, il y a un début à tout et ça peut être un excellent tremplin pour faire d'autres RPG. Mais ce qui est important à retenir dans toute cette histoire, c'est que dans l'équipe décisionnelle, les seuls à détenir vraiment de la bouteille sur des licences de RPG classiques, ce sont les producteurs. Sauf que je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup parlé de comment le jeu est né, mais assez peu du jeu en lui-même. Bah allons-y. Je vais briser la glace tout de suite en parlant avant tout le reste. Oui, le jeu est beau, il est très beau. Même si tout le monde ne sera pas d'accord, parce que le jeu est en pixel art, et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens ne considérant pas les jeux avec du pixel art comme ayant de beaux graphismes. Ce que je trouve un peu stupide personnellement. Bref, c'est un jeu en pixel art, mais en 3D et basé sur l'Unreal Engine 4, donc pas le dernier des moteurs, et avec une direction artistique très atypique par rapport aux vieux JRPG dont le jeu s'inspire visiblement beaucoup. Square Enix a appelé ça le HD 2D, et au passage a déposé la marque. Je ne savais pas qu'on pouvait déposer un concept graphique, et ça me fait un peu peur. Je sais pas trop ce qu'il aurait possible de bloquer avec ça, à part évidemment l'utilisation du terme. Mais pour moi, déposer un concept graphique ne peut être qu'un frein à la créativité, et ça m'emmerde beaucoup. Mais c'est pas la question. Bref, le HD 2D c'est tout simple, des sprites en 2D dans un environnement en 3D. Et il s'avère que le concept fonctionne surtout avec des décors et des personnages en pixel art, plus qu'avec des sprites classiques. C'est là qu'on voit que c'est une vaste blague marketing tout ça, parce que bon, ben Doom c'était pareil en 93. Vous rajoutez à ça un flou à l'arrière-plan et au premier plan, de l'eau en 3D normale et beaucoup, beaucoup d'effets de reflets et de scintillements, et vous obtenez un style monde réduit ou boule à neige très, très réussi. Petit bémol cependant sur certains donjons plongés dans le noir où on voit vraiment rien, et c'est parfois un peu dommage. En plus, la mini-carte n'aide pas beaucoup, c'est plus une boussole qu'autre chose. Du coup, le jeu est particulièrement beau, bien que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, on ne peut que saluer cette direction artistique du tonnerre, car finalement, les décors et l'univers sont assez simplistes, mais la façon dont c'est agencé donne vraiment une véritable âme à l'ensemble. Donc, dans Octopath Traveler, vous incarnez une équipe de 8 personnages différents dans un monde médiéval fantastique très inspiré de l'Europe occidentale du Moyen-Âge. Vous y trouverez 8 régions différentes, chacune point de départ d'un personnage. Notez que contrairement à beaucoup de JRPG, vous pouvez choisir quel sera votre personnage initial, et ensuite, une fois son premier chapitre fini, il vous faudra aller chercher directement les autres personnages pour les ajouter à votre équipe. Ce qui a son avantage, mais aussi pas mal d'inconvénients narratifs. Mais en réalité, la seule chose que ça change, c'est que vous ne pourrez pas enlever ce personnage de votre équipe tout au long de votre aventure. Et le premier chapitre sera plus ou moins difficile selon le personnage de départ. Le jeu présente donc 8 personnages avec 8 classes de combat différentes. Ophelia la prêtresse, Cyrus l'érudit, Tressa la marchande, Olberic le guerrier, Primrose la danseuse, Alphine l'apothicaire, Therion le voleur et Ahanit la chasseuse. Et chose cool, dans le lot il y a des classes très classiques de JRPG comme le voleur ou le guerrier, mais aussi des classes assez peu courantes comme l'apothicaire ou la danseuse. C'est juste dommage que ces classes-là soient vraiment nulles. Genre, l'apothicaire, c'est juste ridicule. Et en plus, il coûte de la thune à faire fonctionner. Mais un truc intéressant, si chaque personnage possède une classe fixe, il peut en endosser une seconde parmi les 7 autres, avec comme restriction de ne pas avoir plus de 2 fois la même classe dans votre équipe. C'est pas autant que ce que permettaient les Bravely où on pouvait faire des teams d'une seule classe, mais ça permet néanmoins de faire des combinaisons sympathiques. Maintenant, parlons un petit peu des combats. Parce que c'est, je pense, la seconde grosse réussite du jeu après les graphismes.
Les combats sont basés sur un système classique au tour par tour, à ceci près que le jeu vous permet de voir dans quel ordre sera effectué ce tour et le suivant, mais avec en plus un système de stock de tours qui rappelle beaucoup les Bravely. En gros, chaque personnage possède une jauge qui se remplit d'un point à chaque tour. Cette jauge est en quelque sorte une jauge de tour gratuit. Lorsque c'est au personnage d'attaquer, vous pouvez choisir d'utiliser jusqu'à 3 points de cette jauge d'un coup, ce qui vous permet d'attaquer 4 fois avec la même attaque, ou d'attaquer avec une capacité 4 fois plus puissante. C'est très utile pour passer au travers du système de faiblesses. Chaque adversaire possède un certain nombre de faiblesses, que ce soit contre les armes ou les éléments, et un certain nombre de points d'armure. Chaque coup contre une faiblesse enlève un point de l'armure de votre adversaire, et lorsque l'armure tombe à 0, l'adversaire ne peut plus attaquer pendant ce tour et le suivant, et prend 2 fois plus de dégâts. Donc en gros, le principe des combats est de casser l'armure de l'adversaire, puis de lui caser l'équivalent de 4 tours de combat en un seul, si possible avec des malus mis en amont pour lui faire encore plus mal. Et vous aurez besoin de ça, parce que les adversaires sont des véritables sacs à PV, surtout les 24 boss du jeu. Ce sont les seuls véritables obstacles, et ils sont franchement pas très difficiles, surtout si vous n'avez fui aucun combat et avez un équipement à jour. C'est un peu le reproche que je ferais à ce système de combat. Il est cool, complexe sans être compliqué, mais globalement il y a assez peu de challenge offert par le jeu sur ce point-là. Finalement, la stratégie se réduit souvent à faire des cycles de cassage d'armure, puis des grosses patates de forain dans la tête du boss. Je pense qu'il aurait pu être mieux si les adversaires étaient moins des sacs à PV stupides. Surtout que pour compenser, les boss ont tendance à mettre des torgnoles qui vous explosent l'équipe en deux coups, ce qui rend les derniers combats très frustrants. La plupart des derniers boss m'ont vraiment cassé les pieds à utiliser leurs attaques ultimes plus fréquemment qu'une attaque standard. Le principe d'une attaque ultime, c'est d'utiliser une ou deux fois vers la fin du combat, pas trois fois par tour. Reste maintenant à évoquer le point qui fâche, moi et visiblement pas mal d'internautes, l'histoire. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce point-là, je n'aurais jamais fait de vidéo sur ce jeu, c'est juste que je trouve que ça soulève un problème intéressant que l'on peut étendre à d'autres jeux. Le gameplay d'un RPG, quelque part, c'est un peu secondaire. Il faut qu'il soit bien pour profiter correctement de l'histoire, bien sûr. Personne ne joue à un jeu de merde juste pour avoir la fin du scénario. Puis généralement, mauvais gameplay va avec mauvais scénario. Mais disons qu'un RPG est moins assujetti à son gameplay qu'un jeu de plateforme, car comme son nom l'indique, dans un jeu de rôle, l'idée est d'impliquer le joueur dans son scénario. La façon dont on joue est un peu moins importante. Même si, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr, le must reste une bonne histoire avec un bon gameplay. Sauf que du coup, quand on fait un RPG, il faut apporter un soin tout particulier à l'histoire. Et c'est là que le bât blesse dans Octopass. Si je vous pitch un jeu d'aventure, au gameplay ultra classique, mais avec 8 protagonistes radicalement différents, pouvant être commencés par n'importe lequel d'entre eux, vous pensez sans doute comme moi à plein d'histoires avec plein d'embranchements, ou au moins la blinde d'interactions possibles entre les personnages, ou quelques évolutions selon le personnage choisi au départ. Pas juste 8 histoires indépendantes, ça serait dommage. Et au vu des premiers trailers et des démos, je me suis dit, enfin un jeu qui a compris ce que pouvait être un RPG dans un jeu vidéo moderne. On a une place de malade sur nos jeux actuels, pourquoi se cantonner à des jeux de rôle avec des histoires dirigistes au possible, alors qu'on pourrait aussi faire des jeux avec des histoires recherchées, ambitieuses et évolutives, et où chaque joueur aurait sa propre version sensiblement différente, ou au moins plus qu'une histoire standard dirigée avant tout par le gameplay, comme on en a dans la très grande majorité des RPG. Pour moi, c'est ce que devrait être un jeu vidéo de rôle. Si un jeu de rôle papier est vécu différemment par chaque personne, pourquoi on n'essayerait pas ça dans un jeu vidéo de manière vraiment ambitieuse? Souvent, dans les jeux vidéo de rôle narratif, le côté rôle se résume à des stats sur un personnage, le choix du sexe, une couleur de cheveux rigolote, et à ce que le joueur comprend de l'histoire, souvent désespérément explicite et sans nuance. Mais ça devrait aller plus loin. L'évolution d'un personnage peut se faire au travers de stats, bien sûr, on est dans un jeu vidéo quand même, mais aussi et surtout au travers des événements qu'il rencontre dans son périple, et qui ne devraient pas être juste des cinématiques avec des dialogues pas toujours très inspirés. Et là les mecs, ils avaient un boulevard, 8 personnages que l'on peut prendre et rencontrer dans n'importe quel ordre, un monde franchement grand et libre d'accès. On aurait pu avoir plein d'histoires, de choix possibles, de rebondissements, d'interactions entre les personnages. Bon, peut-être pas le top du top surtout, mais un minimum d'effort quoi. Eh ben non, rien de tout ça, et c'est même tout le contraire. Chaque personnage possède 4 chapitres pour son histoire, mais aucune histoire n'est reliée avec celle des autres. Les interactions entre les personnages sont réduites à peau de zob, chaque chapitre est fait sur le même schéma, grosse cinématique, donjon nul, généralement un labyrinthe digne d'un dos de paquet de céréales, boss et re-cinématique. On est littéralement sur du porte-monstre-trésor.
le niveau 0 du jeu de rôle. Et en plus de ça, les histoires sont insipides. Plus cliché, tu meurs. On dirait que ça a été écrit par un mec de 16 ans qui a passé les 5 dernières années de sa vie à faire une overdose d'animés de fantasy nul et plat, avec des protagonistes stupides. Franchement, tout y passe. Les personnages sont tous unidimensionnels et vont de situations clichés en dialogue cliché. Les traîtres que tu vois venir à des kilomètres, limite tu les entends faire le bruit de Freezer quand ils rigolent. Le mec qui se rend pas compte que la nana la drague, la tsundere qui comprend pas les sentiments des autres, la jeune fille trop pleine de joie de vivre, le guerrier qui cherche la rédemption, le voleur émo-gothique trop dark qui doit réapprendre l'amitié après une trahison qui l'a brisée, et la liste continue. Et ça, ça m'énerve au plus haut point. Comment, en 2018, on peut encore sortir des jeux comme ça, se voulant comme étant des RPG majeurs orientés scénario ? Non, parce que le jeu a bien été vendu sur ses personnages et son histoire, pas sur son gameplay somme toute très standard. C'est bien un RPG dont l'ambition résidait surtout dans son scénar. Et même si le jeu voulait singer les histoires des RPG d'il y a 30-40 ans, spoiler alerte, une grande partie des jeux de rôle des années 80-90 était loin d'être aussi mal fichu à ce niveau-là. Faut pas croire que le syndrome du « sauver la princesse à la Mario » était aussi répandu dans les RPG. Il y en avait, bien sûr, mais c'était loin d'être que ça. Octopass, sur le principe, possède un potentiel de fou furieux. Et on dirait que les mecs ont tout fait pour le gâcher. Tout ce qui concerne ce qui devrait être le cœur du jeu a juste été raté. Pourquoi les gens ont aimé les vieux Final Fantasy ? Pas juste pour leur trad foireuse ou leur graphisme. Quand ils sont sortis chez nous, certes, ça rendait bien, mais c'était pas le Witcher 3 ou le Crysis de l'époque. Il y avait eu mieux, pas beaucoup, mais il y avait eu mieux. Non, la principale raison pour laquelle les gens ont aimé faire et refaire ces RPG, c'est avant tout parce qu'ils ont réussi à faire un jeu avec un bon gameplay, mais surtout des histoires intéressantes et cohérentes, avec des personnages attachants pour en faire des jeux qu'on n'oublie pas. Le gros challenge des jeux en pixel art ou en low poly comme ça, c'est d'arriver à faire en sorte d'humaniser des tas de gros pixels pour qu'on ait envie de continuer. Et ça passe souvent par des interactions avec d'autres personnages et un scénario qui implique l'émotion du joueur. Sauf que dans Octopass, quasi rien n'est fait pour ça. Même parfois, ça va à contre-courant. Déjà, il y a le problème des scénarios clichés. Vous l'avez peut-être compris, j'attache énormément d'importance à la qualité des histoires, leur structure, leur cohérence et à l'écriture des personnages. Un de mes passe-temps favoris consiste justement à analyser les structures d'histoire, la psychologie des personnages, tirer des conclusions et essayer de deviner ce qui va arriver après. La dissection d'œuvres, c'est une de mes grandes passions. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, ça désacralise beaucoup de choses. Mais je n'ai rien contre les histoires clichés. Pour preuve, j'ai fait une vidéo très positive sur cette même chaîne sur Dragon Quest XI, et pour le coup, c'est une saga qui a toujours pratiquement le même scénario, presque les mêmes situations et presque les mêmes personnages depuis plus de 30 ans, en plus d'être un poil cucu sur les bords. Et pourtant, j'ai aimé ça. Déjà parce que dans le cas des Dragon Quest, c'est littéralement le but recherché et ce qu'on te vend, du coup on n'est pas franchement surpris, mais aussi parce qu'à chaque fois, les univers, les personnages et les situations sont toujours suffisamment différentes pour être intéressantes, parfois même surprenantes, comme vers le milieu de Dragon Quest XI. Et je ne parle même pas des personnages, aussi toujours globalement les mêmes, mais toujours attachants. Dragon Quest, c'est pas que des clichés, il y a suffisamment par-dessus pour rendre le tout intéressant à suivre. C'est loin d'être stupide. Mais dans le cas d'Octopass, c'est littéralement un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Le jeu passe son temps à mettre ses personnages dans les situations que tout le monde a déjà vues mille fois, avec des caractères monodimensionnels, des Deus Ex Machina réguliers et des dialogues sans âme, où on n'a pas l'impression que ce sont des personnages qui parlent, même s'il y a des bonnes seiyuu, mais plus des archétypes niaiseux. Et en soi, je n'ai rien contre ça. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans des contes, c'est même une de leurs caractéristiques principales. Et un conte, ça peut s'adapter en jeu, comme par exemple la série des Trine, qui sont vraiment excellents. Et Octopass possède bien des caractéristiques techniques du conte. Le schéma narratif, la loi de permutabilité qui rend les personnages totalement interchangeables, le manichéisme, le merveilleux, la vitesse de progression du récit par à-coup, les encarts de début et de fin de chapitre, etc. Sauf que pour moi, ça ne fonctionne pas. Et honnêtement, j'ai encore du mal à voir pourquoi. Je pense que ça vient d'abord du côté inintéressant des différentes histoires, mais aussi du fait qu'il manque ce côté onirique et candide des contes, ce côté intemporel qui permet de replacer le récit à n'importe quelle époque sans problème. J'ai l'impression qu'on est face à une œuvre un peu bâtarde, qui essaye d'être à la fois une œuvre de fantasy assez terre à terre et un conte, et qui finalement n'arrive à être ni l'une ni l'autre.
Et tout ça, ça fait qu'on a un mal de fou à s'attacher aux personnages. Il y a bien des petites scénettes pour essayer de les faire interagir entre eux, mais on sent tellement que ça a été rajouté en urgence après les démos pour essayer de donner un peu de vie aux personnages. Parce que la plupart des scènes se résument à deux individus qui parlent de tout et de rien, mais surtout de rien. C'est chiant, ça n'apporte rien de plus aux personnages que ce qu'on sait déjà, et c'est écrit avec le cul. Alors oui, le jeu s'appelle Octopath Traveler, qu'on pourrait traduire par les voyageurs des 8 chemins, donc on pouvait logiquement s'attendre à 8 histoires différentes. Sauf que franchement, vu la qualité des 8 histoires, je pense que j'aurais préféré qu'une seule histoire, mais au moins à peu près bien. Parce que là, aucune des histoires n'est vraiment agréable à suivre, encore plus à cause du découpage qui force le joueur à avancer de front sur plein d'histoires à la fois, tout en mettant en pause pendant longtemps certaines, ce qui fait qu'on perd facilement le fil en fait. Mais ça, c'est un écueil qui est pas forcément évitable. Ça arrive souvent dans les œuvres où la narration n'est pas linéaire ou unitaire. Et selon moi, une grande partie du pourquoi c'est si naze réside dans l'équipe qui l'a fait. On l'a vu, c'est surtout un jeu de producteurs, qui ont donc une certaine vision de la narration et des histoires, et pas forcément la meilleure. Mais surtout, il y a eu Kakunoshin Futozawa à l'écriture. Futozawa, avant Octopath, il a bossé sur des cinématiques de Final Fantasy XIV et sur le second opus des Bravely en tant qu'artiste graphiste. Donc pas du tout à l'écriture. Et là, d'un coup d'un seul, il se retrouve à écrire un JRPG ambitieux avec 8 personnages indépendants? Mais tu m'étonnes que ça se soit cassé la gueule. Bon, ok, c'est un appel à l'ancienneté, donc techniquement ce n'est pas une raison valable. Et effectivement, rien n'empêchait Futozawa de se révéler un super conteur d'histoire dès son premier essai commercial. Et même s'il s'est planté par manque d'expérience, ce qui peut arriver à tout le monde, bien sûr, ce n'est pas uniquement la « faute » entre guillemets de Futozawa. Les producteurs et le directeur ont dû donner leur aval pour ce genre de récit. Alors oui, je n'ai aucun moyen de vérifier ce que je dis, mais je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un qui n'avait jamais écrit professionnellement auparavant ne pouvait que se planter pour son premier travail. Écrire, et a fortiori pour un jeu vidéo, c'est pas un boulot facile qui s'improvise du jour au lendemain, c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Personnellement, alors que dans ma vie j'ai bouffé des milliers d'histoires et que j'adore les prendre comme des purs objets d'analyse, je reconnais volontiers être infoutu d'écrire un truc aussi compliqué et aussi ambitieux que ce que j'attendais d'Octopath. Je serais sans doute incapable d'écrire une mauvaise histoire avec toute la théorie que je connais, mais je serais aussi sans doute incapable d'écrire une excellente histoire. Il me manque la pratique en fait, et dans ce milieu, comme dans beaucoup d'autres, eh ben ça change beaucoup de choses. En fait, en sachant que c'était la première vraie grosse œuvre de son écrivain principal, beaucoup de choses prennent sens. Quand tu baignes dans un pays saturé d'une pop culture qui a déjà tendance à proposer toujours les mêmes schémas, et que ce qui arrive de l'extérieur du pays est aussi très codifié et mainstream, mais tu m'étonnes que ce qui en ressort le plus facilement est un ramassis de clichés. Et quand t'as vraiment que les producteurs qui savent comment on gère un JRPG, et qui ne sont que producteurs, je pense qu'il manque aussi l'expérience de l'équipe, en plus de celle du scénariste, pour vraiment arriver à sortir un bon jeu sur tous les plans. Alors, ça n'excuse pas le travail franchement bancal fait sur l'histoire de ce jeu, et honnêtement, j'ai aucun moyen de vérifier si ce que je dis est vrai, mais c'est une explication que je trouve plausible, et j'espère que ça sera corrigé sur les jeux suivants, parce qu'évidemment, il y aura une suite vu comment le jeu a fonctionné. Le truc, c'est que pour moi, la narration foireuse de ce jeu vient aussi d'une autre raison, beaucoup plus large, et surtout qui s'auto-entretient dans le mauvais sens, la dissonance ludo-narrative. La dissonance ludonarrative, c'est quand vous jouez, vous avez l'impression que la narration n'est pas en phase avec le gameplay, que les deux sont des éléments qui ont été conçus à part, et qu'on essaye de faire interagir tant bien que mal. Un exemple tout con. Vous arrivez contre un boss, vous le battez. Fondu au noir, cinématique, sauf que dans cette cinématique, votre personnage que vous incarnez perd, alors que vous venez de mettre une rouste à votre adversaire. Voilà, décalage entre le gameplay et la narration. Quand c'est léger et épars, ça va, et finalement, assez peu de jeux tombent dans cet écueil. Par contre, quand c'est durant tout le jeu, c'est le genre de truc qui te casse ton immersion. Et évidemment, dans Octopath, il y a quasiment que ça. Dans les cinématiques, seul le personnage du chapitre apparaît, et les méchants vous parlent comme si vous étiez tout seul, comme si votre équipe n'existait pas. Sauf que quand vous vous battez, c'est avec votre équipe entière, et durant les scénettes, tous les personnages réagissent comme s'ils étaient là et témoins de la scène cinématique précédente. Ils font quoi en fait le reste de l'équipe pendant les cinématiques? Ils attendent plus loin que les mecs finissent de parler puis ensuite ils se ramènent pour le combat? Et il se passe quoi quand un des personnages se fait assommer et mettre dans une oubliette? Pourquoi il a l'équipe avec lui? C'est complètement con, on n'arrive plus à comprendre ce qui relève de l'histoire ou ce qui relève du gameplay et ça te sort complètement de la narration. On dirait que c'est 8 jeux qui ont été fusionnés pour éventuellement en donner un 9ème, mais il manque tous les raccords. Vous allez me dire, ça va, je pinaille, ça arrive dans tous les jeux ça.
Et oui, je suis d'accord, ça arrive dans tous les jeux, et surtout chez les JRPG. Par exemple, j'avais déjà parlé de cette dissonance dans mon vieux test sur l'excellent Xenoblade Chronicles 2, qui avait le même genre de problème. Sauf que dans Xenoblade, c'était moins marqué, plus dilué dans le très très grand nombre d'interactions entre les personnages, et surtout moins présent. Dans Octopass, c'est tout le contraire, et en fait, le jeu te ramène tout le temps à sa condition de jeu. Rien n'est fait pour faciliter l'entrée du joueur dans l'histoire. Comment tu veux te sentir impliqué dans quelque chose qui te donne en permanence l'impression de jouer à deux jeux différents, l'un qui contient que le gameplay, l'autre que l'histoire, et tu switches entre les deux toutes les 10 minutes? Et selon moi, Octopass met en exergue un problème qui se retrouve dans quantité d'autres jeux, et franchement, pas que dans les JRPG. La narration dans le domaine du jeu vidéo est un secteur complètement sous-exploité, et souvent considéré à part de l'œuvre qui est produite, ce qui est selon moi une bêtise. Pour un RPG, on ne doit pas construire une histoire puis un gameplay ou inversement, mais bien les deux conjointement. Alors, ce que je vais dire maintenant va sans doute vous paraître totalement évident, mais ses implications ne le sont pas forcément. Un jeu vidéo n'est pas un livre ou un film, et avec un livre ou un film, on ne peut pas raconter de la même façon toutes les histoires. Quand tu veux raconter une histoire dans un livre, tout ce que tu as comme outil à ta disposition, ce sont des mots. Du coup, la qualité de ta narration et de ton histoire va se situer dans l'agencement de ces mots et la structure du récit pour faire passer les messages voulus. A l'inverse, le mot cinématographie veut littéralement dire « écrire avec du mouvement ». Donc ce sont des images sur lesquelles il faut appuyer pour porter les messages, plus que le texte. Un bon livre peut donc donner un mauvais film s'il utilise à fond les possibilités du médium papier, qui ne peuvent pas être retranscrites à l'écran. Et le jeu vidéo, c'est entre les deux, mais c'est ni l'un ni l'autre. Le jeu vidéo a une différence fondamentale avec les deux autres médias, et qui selon moi change totalement la façon de narrer une histoire, c'est l'implication de la personne découvrant l'ouvrage. On peut vibrer en lisant un livre ou un film. Je me suis moi-même senti mal au point d'en avoir des vertiges en lisant Blame pour la première fois, et je n'ai jamais pris une aussi grosse claque cinématographique que la fois où je suis allé voir Fury Road. Mais dans les deux cas, j'ai subi, j'étais passif. Ce qui n'est normalement pas le cas d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo a ceci de vraiment cool et de totalement à part des différentes formes d'art narratif grand public, c'est qu'il permet d'outrepasser le côté passif pour proposer une expérience de narration différente pour chaque individu au travers de ce qu'on appelle le gameplay. C'est lui qui va permettre au joueur de faire évoluer le jeu, et par la même occasion son histoire si on lui en donne la possibilité. Donc l'idée maintenant serait de vraiment mettre ça en pratique en faisant un RPG où la narration ne serait pas reléguée au second plan, comme c'est souvent le cas dans les grosses sorties récentes. Si tant est que faire ça ait un sens, évidemment, mettre un scénario digne d'un Stephen King sur un Mario, c'est un peu con. Et je suis d'accord pour dire que dans un jeu, toujours confondu, le principal reste le gameplay. Oui, je sais, au début de la vidéo j'ai dit que le gameplay, c'était secondaire. C'est le cas uniquement dans le cadre des RPG pour moi, et secondaire, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Dans tous les cas, qu'il soit un RPG ou pas, un grand jeu a un bon gameplay. Donc en soi, sans prendre en compte le genre, la priorité reste un bon gameplay. Mais l'histoire, c'est important aussi. Mais évidemment, il faut y mettre les moyens parce que ça se fait pas comme ça. Ça peut être de la narration par des cinématiques interactives, par du gameplay pur, par de l'ambiance sonore, par des petites scénettes, par des dialogues improvisés, par des embranchements dans l'histoire. On peut vraiment imaginer plein de choses. Mais je veux dire, le spectre des possibles en termes d'expérience avec le jeu vidéo est tellement plus vaste que pour un livre ou un film. Donc pourquoi se contenter d'en singer la façon de raconter, tout agréable qu'elle soit? Pourquoi essayer de refaire des histoires connues au cinéma ou dans des livres de la même façon alors que le support jeu vidéo permet tellement plus? Même si bien sûr, souvent ça fonctionne, je dis pas le contraire. Genre, les Uncharted, c'est littéralement des films d'Indiana Jones matinés de James Bond retranscrits en jeu vidéo. Ça en copie même la structure. Et ça fonctionne, y a pas à tortiller du cul. Mais personnellement, j'attends toujours un RPG avec du budget faisant vraiment preuve d'effort, d'innovation et d'ambition sur l'histoire, à la fois sur la forme et sur le fond. Alors, ça existe, bien sûr, ça s'appelle la trilogie Mass Effect ou les Baldur's Gate, mais même eux ont des défauts. Et bien entendu, il y a une grande part de goût dans tout ça. Je suis très loin d'avoir une culture exhaustive de tous les RPG du monde, évidemment. Mais disons que, d'une manière générale, pour l'avoir observé, souvent vu écrit et souvent discuté, les jeux vidéo, et ce depuis leur commencement, ne se sont jamais vraiment beaucoup mouillés sur leurs histoires et leur façon de mettre en scène. Des fois, sur la forme ça fonctionne bien, mais pas forcément sur le fond. Par exemple, Skyrim. Excellent jeu, excellente immersion dans l'histoire, notamment grâce au doublage intégral et aux différents choix.
Mais en soi, quand tu regardes ce que racontent les quêtes, c'est loin d'être du haut niveau dans le genre saga nordique épique, ce qui est le postulat du jeu quand même. C'est assez plat, les histoires sont courtes et très, peut-être trop, souvent dirigées par le gameplay au lieu d'être l'inverse, même si, pour moi, ça reste un des meilleurs jeux en termes de possibilités offertes par la narration, et un des meilleurs jeux tout court. Second exemple dans un autre genre, BioShock Infinite. Ça par contre, c'est un jeu à esbrouf. C'est-à-dire que quand t'es pas habitué à écouter ou lire des histoires, tu fais ouah, c'est trop cool. Par contre, quand tu lis un peu plus, tu te dis que c'est quand même bien de la merde, écrite par un gamin de 14 ans pour sa copie de brevet de français catégorie fiction. Non, il ne suffit pas de mettre des plot twists avec des voyages dans le temps ou les dimensions pour rendre son histoire intéressante. Et des fois, c'est l'inverse. C'est la forme qui chie et c'est le fond qui est cool. Par exemple, Kingdom of Amalur: Reckoning. Le jeu est écrit par R.A. Salvatore, un très gros écrivain de fantasy. Pas le meilleur, mais un si ce n'est le plus prolifique. L'univers et l'histoire sont franchement intéressants, très différents de ce qu'on peut avoir dans les autres jeux du même genre. Bon, c'est assez courant en littérature, mais c'est pas souvent que j'ai vu ça dans le jeu vidéo. Mais la forme, putain, c'est un bordel incompréhensible. Et le côté beat'em up du jeu n'aide pas franchement à aller écouter les pierres de l'or ou prendre des notes sur ce qui t'entoure. Par contre, des expériences ludonarratives intéressantes, vous en trouverez de très nombreuses dans le monde de l'indépendant, beaucoup plus imaginatif et moins pressé par des considérations pécuniaires. Allez, au pif, Undertale. Mais indé oblige, vous trouverez assez peu de jeux avec vraiment de l'ambition à tous les niveaux, ça reste des expériences. Et en fait, c'est ce que je reproche un peu à l'industrie du jeu vidéo actuel sur ce domaine narratif. Je n'ai pas encore vu de grosses sorties repoussant les limites actuelles que nous nous sommes posées. Plus ça va, plus les gros jeux sont bons en termes de gameplay, en termes de graphisme, mais pour les histoires, c'est pas franchement ça en fait. C'est un truc que l'on retrouve souvent dans les tests, une histoire passable, mais bon, un petit 17 sur 20 parce que l'open world est plus gros que celui du voisin. Et oui, on en revient toujours au Kiki Meter. Le trope du « sauver la princesse », s'il n'est plus aussi présent et débile qu'il y a 30 ans, ben il est quand même toujours là. Et d'autres tropes sont très tenaces, comme le fait que le joueur devra forcément être le gentil qui va sauver le monde par altruisme à la fin, même si c'est un connard au début. Alors, ça vient certainement du côté hybride du jeu vidéo. Comme le ressenti principal du joueur passe par le gameplay en priorité, on a tendance à considérer les histoires comme un peu secondaires. Et des fois, c'est vrai, c'est secondaire, même au cinéma. Genre, tu regardes Fury Road pour sa mise en scène de taré et son univers de folie, pas pour son scénar. Et de la même manière, tu t'attends pas que le dernier Zelda soit une version vidéoludique du dernier roman de David Gemmell. Faut un peu de bon sens. Sauf que cette priorisation du gameplay a tendance à enfermer le joueur dans les mêmes schémas, clichés et boucles de narration. C'est du gameplay que vient le cycle narratif beaucoup trop présent, cinématique, monstre, boss, trésor. Parce que pour un joueur, c'est l'évidence même, puisque c'est la structure d'un niveau de jeu. Et oui, je suis d'accord, cette rythmique, cette façon de penser le jeu vidéo, elle est efficace et surtout agréable. On la connaît, on sait qu'elle fonctionne, on sait les mécaniques que cela induit, et pour les développeurs comme pour les joueurs, c'est rassurant et pratique. En changer revient à briser nos repères, et c'est pas forcément une bonne chose pour tous. Mais quand même, pour moi, il faut qu'on arrive à briser cette boucle et les autres du même genre qui existent. Je suis sûr que c'est possible. Je pense personnellement que le jeu vidéo n'a pas encore vraiment exploré ses possibilités en termes de narration et d'histoire à raconter. On a juste gratté la surface là. Je suis certain que parmi vous qui regardez la vidéo jusqu'ici, et je vous en remercie, il y en a qui pensent à concevoir leur propre jeu vidéo. Déjà 1, foncez, et 2, si vous le pouvez, n'hésitez pas à briser les règles établies. Tant pis si ça vous semble bizarre, vous pourriez peut-être découvrir une nouvelle façon de penser les jeux vidéo qui ne soit pas un énième ersatz d'un niveau de jeu d'arcade. N'oubliez pas qu'il y a aussi de la place pour ceux qui n'y connaissent rien en technique, mais qui voudraient quand même raconter des histoires au travers du jeu vidéo. Le CNC vient d'ailleurs de débloquer une enveloppe d'aide spécifiquement dédiée à l'écriture de jeux vidéo. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, ça apporte une reconnaissance dans un milieu qui selon moi en a bien besoin. Et j'espère qu'il en ressortira de bonnes choses. Vous l'aurez compris, tout ça me passionne. Je pourrais en parler en long, en large et en travers pendant des heures. J'ai vraiment essayé de dresser un portrait général et un peu bordélique, on va pas se cacher, de ce que je considère comme étant le problème de la narration dans le jeu vidéo.
J'aurais pu aussi parler de plein d'autres exemples dans le domaine, notamment l'apport des point and click à tout ça, ou plus récemment la tentative plus ou moins réussie du studio Telltale de replacer l'histoire au centre du jeu. Mais bon, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais voilà, je trouvais que le contexte s'y prêtait bien pour en parler au moins un peu, parce que je sais pas si je l'évoquerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Faut bien avouer que c'est un domaine très complexe, et c'est dur de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Étant donné que tous les jeux vidéo peuvent être très différents les uns les autres, il est difficile de déterminer objectivement qu'est-ce qui est bon ou pas, qu'est-ce qui fonctionne ou pas. On touche là au fondement même de la théorie des jeux vidéo, et c'est un immense domaine très complexe qui peut pas vraiment se prendre à la légère. Et de toute façon, un joueur de RPG n'aura pas la même relation aux histoires qu'un joueur qui n'apprécie que les jeux de course. L'un et l'autre auront certainement des avis divergents sur ce qui est bon ou pas. Bon, je pense qu'il est temps de conclure sur Octopass. Octopass Traveler n'est pas un mauvais jeu. C'est un JRPG néoclassique plutôt sympathique, bien que très, très standard, avec une histoire pas franchement super. Le principal intérêt du jeu réside dans sa direction artistique atypique, mais c'est un peu la seule chose vraiment réussie du jeu, avec la musique quand même. Reste que les combats sont sympas et le jeu est assez long vu le nombre de chapitres et de quêtes secondaires. Comptez une petite centaine d'heures pour tout faire à 100% sans trop vous presser. Du coup, est-ce que je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà fait? Ben pas vraiment, surtout pour 50€. À moins que vous n'écumiez tous les JRPG possibles ou que vous soyez en manque de cette catégorie de jeu, on n'est pas sur le haut du panier. Clairement, j'ai eu du mal à le finir parce que le jeu ne donne pas franchement envie de continuer. Sur Switch, à la limite, je vous conseille d'attendre la sortie de Dragon Quest XI. Il y a bien FF7, mais il semble pas être terrible comme portage Switch. Bref, voilà, c'était mon test bien trop long sur Octopath Traveler et j'espère que ça vous a plu. Vous l'aurez peut-être remarqué, je me suis pas mal inspiré de ce que fait Monsieur Mea pour la première partie de la vidéo. En fait, j'ai découvert sa chaîne il y a quelques mois, alors que c'est un dinosaure de YouTube, hein, il fait ou a fait, je sais plus, partie du Nesblog, et j'ai trouvé ça super cool. Et surtout, j'ai eu l'impression qu'on avait un peu la même façon de construire nos vidéos et de raisonner, du coup j'ai essayé de m'en inspirer un petit peu. Enfin, surtout au début, la seconde partie sur la dissonance, c'est bordélique à souhait, c'est totalement mon style personnel. J'ai aussi essayé d'aller beaucoup plus loin que le simple test de jeu lambda. Pour moi, il y a souvent beaucoup plus de choses à dire que le jeu est bon ou le jeu est pas bon, et je vais essayer de continuer dans cette voie. Alors par contre, parler de narration, de théorie de jeu ou de comment on ressent le jeu vidéo, c'est pas évident du tout. J'essaie de faire de mon mieux pour exprimer ce que je pense, mais n'oubliez pas que c'est justement que ce que je pense. Quand on est sur quelque chose d'aussi personnel que l'appréciation d'œuvres artistiques, on peut théoriser tant qu'on veut, au bout d'un moment, il y aura toujours le mur du ressenti personnel. Et ça, on peut vraiment rien y faire, il est propre à chacun. Ce que je dis n'a pas pour vocation à être universel. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à passer sur mon Utip pour me laisser un petit pourboire si ça vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le plus important. Et dans tous les cas, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, portez-vous bien !